Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Starfield sur Altair 2. Je suis donc sur la dernière phase, ta carte de la surface s'il te plaît. Sur la dernière phase de la surface de la planète et je me suis donc approché de cette structure. Voilà, j'ai vendu des trucs, je crois qu'on a un... on a un nouveau flingue. Voilà, qui est ce flingue là. Qui est un calibre 12 du turfu. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à ajouter. Et j'ai vu des gens. Je sais pas si c'est des gens qui sont gentils ou si c'est des gens qui sont méchants. Ça, c'est de l'ur. C'est un soldat de l'éclipse. Voilà, vous aurez plus de gauche plus tard. Ah, il montait. Ouais, d'accord. Fallait obligatoirement un jetpack pour monter la garde ici. Ok. C'est cassé. Laboratoire abandonné. Oh, chic, des fioles. Je fais un fric avec les fioles. Hein. Je peux me permettre d'aller à l'armurerie de Lucelle. Hein, et de les dépouiller. Enfin, de les dépouiller. Je vais laisser du pognon au final, mais. C'était par pur choix convictionnel. Prototype d'équipement. Absalom. C'est rigolo comme endroit ça. Bon. Allons voir. De quoi qu'il s'agit. Un cadavre n'a plus le temps de rien dans notre monde. Je vais te dire, un cadavre non seulement il a plus besoin de rien dans l'autre monde, mais dans celui-là non plus d'ailleurs. En fait, il est mort. En termes de besoins, ça s'est radicalement simplifié. Combustible nucléaire. Beaucoup de fois que je trouve du combustible nucléaire. Alors. Il y a des choses emboîtables. Ah, ça c'est emboîtable. Du coup, je peux peut-être t'emboîter avec ça. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. 1, 2, 3, soleil. Il n'a pas beaucoup de choix le jeu. Celle-là, elle rentre. Plus une. Ok, c'est le moment d'entrer des trucs exotiques là. Il n'y a que lui qui rentre. Bon bah. Il n'y a que toi qui rentres, mon petit pote. Hein. On va te rentrer, toi. Toi, tu rentres pas? Ah si, bon hangar. Hein. Ah, 100%. Alors, des ressources du marché noir, putain. Il y en a un paquet, bordel. Bah, je vais les laisser, hein, parce que bon, on va payer des amendes, c'est pas... C'est pas mon truc. Voilà. Vous aurez le son dans un autre épisode. Oh là, oh là, oh là. Ça se passe bien, arrêtez de paniquer. Alors j'ai pas encore pu améliorer ce flingue hein. Mais 110 de dégâts, je crois, flat. Hein. Calibre 12, c'est quand même le top. Hein. Par là. Moi aussi, je peux taper. Hein. Par contre, je te préviens. Je tape plus fort. Hein.
beaucoup plus fort. Un grunt augmente de façon permanente les dégâts critiques des armes balistiques de 5% supplémentaires. Oh là là, le jeu nous incite beaucoup à jouer de balistique, hein, quand même. Hein. Ça incite dur. Hein. Je suis très content. Moi, j'aime tirer avec des vraies cartouches. Hein. J'aime ça fasse du bruit, t'as vu? C'est un peu mon petit côté kéké tuning. Ok, cam. Ok, bon, ça c'est un simple établi industriel. Qui évidemment n'intéresse personne. Ok. Ok. L'enduit qui va bien. Ok. Et puis on va descendre à la mine, hein. Let's go! J'ai quand même un petit peu envie d'aller piquer la contrebande. Ce coup-ci, ce serait bien que je le fasse pas avoir. Ce coup-ci, ce serait bien que je pense à aller la vendre sur un monde illégal. Surtout que je sais que je l'ai, ce coup-ci, donc... Complexe souterrain, let's go. Gentiment, je charge un peu. Ça a l'air fluide. Il a pris son temps, mais c'est fluide. Ok. Ça écrase un gobelet, les salauds. Prends des fioles. Aucune menace détectée. La cible a quitté la zone. Vous avez raison, vous avez absolument aucune raison de paniquer plus que ça, quoi. Non, mais le gars n'est plus là. Vous êtes sûr? T'es monté à la surface, vérifié? Non, mais. C'est sûr qu'il est plus là.
Parce que. Donc, rapport structurel urgent, Lars, j'ai déjà abordé ce sujet, mais Shannon ne semble pas saisir la situation. Si nous ne faisons rien au sujet des connecteurs du système pour les projets cryogéniques et qu'il y a ne serait-ce qu'une défaillance mineure, nous pourrions avoir des problèmes dans toute l'installation. Je sais que tu le sais, mais je tiens à te rappeler que les changements environnementaux extérieurs peuvent exacerber la situation. Nous ne pouvons pas contrôler ces facteurs. S'il te plaît, parle-en à Shannon. J'aime beaucoup travailler avec vous, mais je n'ai pas envie de rester coincé dans cette tombe de glace pour toujours. Merci, Charlie. Ciao, Charlie. C'était les derniers mots de Charlie. Ou peut-être pas. Peut-être que Charlie s'est barré. Peut-être bien que c'est le seul d'ailleurs. Un autre tube stérile de câble. Attends, j'ai buté que deux gars. Un, deux, un, trois, ok. Quatre cadavres. Normalement, j'ai marché dessus, je l'ai pas vu. Ça se casse visiblement. Vous avez un visu? Baissez vos armes. Zone sécurisée. Vous devriez commencer à faire des priorités. Ah ouais, vous savez, je porte déjà trop de trucs. Par contre, leurs bureaux, ils sont vraiment pourris. Hein. Ils dorment directement sur la clim, avec des portes en clim, nul. Système de communication de Shannon Palermo, agent de liaison et de coordination du projet Marzana. Et non pas Manzana, on la voit. Les inquiétudes de Charlie, Dr. Lass, Gayatri. Shannon, Charlie m'a demandé de te parler des problèmes du labo. Pour ce que ça vaut, je pense qu'on devrait au moins procéder à une évacuation. La configuration initiale de nos systèmes ne tient pas compte de l'environnement extérieur. Tu sais bien que RI ne nous laissera rien faire officiellement si on n'a rien de concret à présenter. On est tous dans la même galère. Maintenant que c'est dit, il est temps de boire un coup. Je passerai dans ton bureau après le deuxième quart. Lars. Agent de liaison Ryujin. Réponse officielle. Shannon Palermo, agent de liaison du projet Marzana. Nous avons examiné votre demande de ressources supplémentaires pour résoudre les problèmes décrits dans votre communication précédente. La décision a été prise de refuser cette demande pour le moment. Les risques évalués demeurent dans les limites des paramètres acceptables. Veuillez poursuivre le projet comme prévu.
Un problème de taille, Charlie joue Gerson. De Charlie, un problème de taille. Shannon, c'est important. Le problème de cryoconnecteur du labo et des fluctuations environnementales ambiantes dont je vous ai parlé, c'est plus sérieux que ce que je pensais. Je pense que nous devons mettre en pause les expériences en cours, voire l'ensemble du programme pour améliorer les labos. Nous sommes tous en danger, même vous. Je vous prie, faites ce qu'il faut et demandez à quelqu'un d'y jeter un œil. Docteur Charlie Jorgensen, technicien du projet Marzana. Opération de chiffrement effectuée, Marie Bacaba. Opération de chiffrement, ouais, ok. Mon équipe a procédé à la mise en œuvre du protocole de chiffrement Secha. À partir de maintenant, les données du projet seront automatiquement chiffrées lorsqu'elles seront envoyées sur les serveurs locaux. J'ai également supervisé en personne le chiffrement des données de notre précédent projet, le projet Marzana. Je comprends que ces données soient inestimables et je ferai tout mon possible pour empêcher tout vecteur de fuite auprès de nos scientifiques et du personnel. Lors de nos recherches, nous avons identifié de nombreux cas d'indiscrétion parmi le personnel qui pose des risques de sécurité. Comme mesure supplémentaire, je suggère d'empêcher le transfert des données relatives au projet sur des tablettes personnelles. Si vous pouviez m'indiquer la marche à suivre, d'avance merci Marie. Et ben c'est nous qui te remercions. On en sait un peu plus. Merci au directeur de la com. Toujours des gens incroyables bien sûr. Ok. Voilà, c'est l'heure de... C'est l'heure de ménager, hein. Je me sens partir. Les gens qui se sentent contrariés juste parce qu'on vient faire le ménage chez eux. Chiffre et programme de Marzana. Données partielles du projet Marzana. Protégé par cryptage, Secha. Accès autorisé uniquement. Propriété du... le contenu de ce document appartient exclusivement à Ryujin Industries. Ok. Ok. Bah, si tu veux, mec. Bah, ça ne change rien. Hein. Ok. Ok. Si tout est au Caire. Ah, ils sont en train de se regrouper gentiment de l'autre côté. Ah, ils m'ont même carrément oublié, genre je peux toucher un labo de recherche. Oh les gars, ils sont pas sur Terre. J'ai pas... tout est verrouillé. Ah oui, je viens de seulement débloquer la méthodologie. C'est quand le prochain niveau? Est-ce que c'est loin? C'est pas tout de suite. Et on pourra débloquer le niveau de cryptage slash verrouillage, déverrouillage informatique suivant. Tout ce tas de fouillis que vous transportez vous ralentit sérieusement. Mais non. Ça pour l'instant ça a l'air d'être la suite par ici. On continue sur le même étage. J'aurais bien aimé prendre ce gros truc pourtant. Cette chaise qui m'empêche de passer évidemment.
dans cet étage. À part cette boîte qu'il faut que j'aille chercher. Il y a une salle de coffre là, de l'autre côté. Il y a rien d'autre à l'étage, à part ça. À part une salle des coffres. On va aller se la chercher, hein. Une grande salle vide. Je suis en train de prendre la suite de fou là. C'est pas tout ce que je cherche. C'est pas là que je vais aller pour l'instant, donc attendez, déjà je vais remonter. Déjà c'est pas ce qui m'intéresse, donc demi-tour toute. Ça, on peut interagir avec ça? Pas du tout. J'ai oublié de prendre la fourreuse. Ok. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'il existe? Non. Donc il va falloir claquer des... Comment ça tu me dis? Oui, ça rentre. J'ai rien dit. J'allais râler, mais... Non, en fait. Tac. Ça, ça rentre pas? Toi, tu rentres. Ok. Ça, ça rentre. Ça rentre pas. Ça va se régler avec ça. Ok. Et ça. Parfait. Le trésor. Voilà. Voilà. Et tout. Dans cette salle de merde. Ok, ok, ok. Il n'y aura pas. Bon. Ça a l'air moche, ça aussi. Ah. Non. R. Non, 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 non. En fait, la solution, elle est forcément là. Alors, moi, je veux bien. Je veux bien que tu me dises qu'elle est là, mais... B. Ah oui. Ok, si, je l'ai pas vu, putain. Elle était bel et bien là. Le problème d'avoir un angle mort. Voilà. Ça, c'est vu. Hop. Hop. Ok, c'est bon. Ok. Et ok. Tout ce qu'il y a ici, quoi. C'est vraiment, j'ai plombé deux gars. Ok. C'est court. Hein. Ah. C'est la fameuse salle que j'ai vue. Donc parfait. Pour l'amour du ciel, laissez tomber ces trucs inutiles. 280 crédits, on prend. Hein. Ça se prend, ça se prend. Hein. C'est café. Oh, du café, quoi. Putain, y a du café, quoi. Ça me rappelle que j'ai ma tasse de café avec du café froid dedans. Plaisir. D'ailleurs, je me retire de là, mais...
Peut-être un autre truc ou deux à fouiller, non? Il n'y a rien d'autre. Je me suis emballé pour pas grand-chose. Ça fait toujours deux bricoles de crochet en plus. Que j'ai oublié là-haut ou c'est comment? Il est censé être à cet étage. Hein. Ah non, je n'ai toujours pas vu cette pièce-là. C'est bien ça, je l'ai toujours pas vu. La voie est libre. Ok, ça c'est le truc que j'ai ouvert et rentré. Et donc l'autre il est là, de l'autre côté. Mais on peut pas y accéder. Toutes les. Tous les issues sont verrouillées. Il n'y a pas. Je vais essayer de faire le tour 15 fois. Je vais peut-être lui filer un truc ou deux là. Prochain arrêt. Vous voulez voir ce que je transporte? Plutôt te refiler des trucs que je transporte. Je peux pas tout donner d'un bloc. Bon, on va t'ajouter des flingues et puis ce sera très bien. Genre 10 grendels, ça devrait, voilà, ça devrait m'alléger d'un coup. Allez. Il est temps d'y aller. J'ai enlevé 10 flingues, ça va aller mieux tout de suite. Comment j'y vais lui? Comment je vais me le chercher? Je suis peut-être en train de me prendre la tête qu'en fait on va remonter par là après. Je suis peut-être en train de me prendre la tête. Remonter par là après. Ah ben non. Bah peut-être parce qu'en fait ta fenêtre elle est pétée qu'on peut passer. T'es où mon con? Ah, on va accéder par là. D'accord, donc je suis un idiot, je l'avais pas vu. Par contre il est passé où mon con? Bon voilà, on a bien détroussé des lieux. Enfin, on a bien détroussé les lieux. Et encore tout ça à prendre. Les calepins, oh, mais c'est incroyable. Les fournitures de bureau, hein. On va peut-être pouvoir lancer notre activité en fait. Fournitures de bureau pour laborantin important, hein. Finalement. Tout ça pour leur refourguer à la fin des cafetières. Voilà. C'est vraiment. Avoir une activité qui fait 50 trucs pour pouvoir répondre à des besoins aux gens, pour en fait leur vendre le produit qui nous intéresse, c'est-à-dire du café. Voilà. Pour vendre des machines à café. Et c'est le plus important. Par contre, j'ai vraiment perdu un débile. Hein. Il y avait un débile. Je l'ai plus.
On va s'en trouver juste ici, c'est pas ce qui m'intéresse dans l'immédiat. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. J'allais lui mettre une cartouche. J'allais lui mettre une cartouche. Ça ne ressemble plus à rien du tout. Rien d'emprisonné entre les deux, ok. Promenons-nous hein, dans les bois. Hein. Tant que Roger le loup n'y est pas. Hein. J'ai fait tout ce tour. Pourquoi, vu de là, j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait. Si, j'ai tout fait. Oui. On trace. Toc, toc, toc. Oui, bah oui, on connaît. Très bien. On peut jeter un oeil par ici. Hein. Hyper intéressant. Vous en avez marre de la vie ou quoi? C'est pas faux. Pourquoi se préoccuper de la vie quand on a des chevilles? Ah, je suis obligé d'en claquer deux comme ça? Intéressant. Ok. Peut-être toi tu rentres, hein? Non. Fallait pas rêver. Bon, c'est lui. Ok, c'est toi. Into toi. Hein. Par contre, là, les gars, faut commencer à rentrer des vraies choses, hein? Toi, tu rentres. Avec toi. Par contre, c'est vraiment le paradis de la boîte. Hein. Waouh. Je pense qu'à un moment donné, il y a un dev, il est passé, il a dit « Bon, les gars, faut rajouter des boîtes. Hein. » Si vous voulez. Moi, je prends. Hein. Je suis pas très regardant. Hein. C'est que table. C'est censé être que table. Attaquez. Soldat à terre. La tête. T'es foutu. Du con, hein. Transport de ressources, les ressources pèsent 25% de moins. Oh putain, il est cool ton sac à dalle. Petit côté sympa. Et merde. Je vais sauter là-dessus. J'aimerais savoir s'il y a un délire. On le saura plus tard. Normalement, j'ai trouvé l'issue de secours. Attendez, j'ai quelque chose.
Mission. Je crois que je suis en train de faire la suite. Je crois que t'es censé deviner qu'il faut que t'aies la porte pour continuer. Ok, on va backtrack. Hein. On va faire du backtrackage. Par contre, si j'ai de quoi me mettre un pansement bobo. Oups là, on va peut-être pas se gêner. Ok. Ta mère. Bon, sauter tout droit, on verra. Ok, c'est bon. Ça se monte, hein. Alors après, pour aller où? Je sais pas, mais... pour l'instant, ça se grimpe. On arrive à des niveaux de porte de sécurité. Il y a vraiment un truc, hein, cet étage, hein. Ah. Organe prélevé. Vous portez trop de bric-à-brac. Faut savoir laisser des choses. Un sale type. Voilà ce que t'es. Ok. J'ai trouvé un petit morceau de contrebande. Je suppute qu'il n'y a rien d'autre. L'autre, ça devait être une fenêtre. Ah, j'ai envie d'aller vérifier si la fenêtre est en bon état. Bon, merde. On dira que oui. On dira que oui. Bon, j'ai trouvé la planque avec les organes prélevés. Il y a quand même grave moyen de faire du fric quand, quand tu verses dans le crime. On va sauvegarder un coup. Voilà. Ça ressemble au couloir où j'ai plombé les deux autres cons. Ah! Bah t'étais pas obligé de... on n'était pas obligé du tout pas de passer par la porte. Ok, et donc c'était bel et bien la suite. Ah ça c'est... c'est un peu très con. Mais bon. Faut faire des donjons casu. C'est une obligation. Faut pas faire un donjon, on se dit tiens. On marquera à la fin que le mec il a fait 80%. Comme ça il se posera des questions en se disant mais qu'est-ce que j'ai zappé? Qu'est-ce que j'ai zappé? Bon, y'a rien ici. Toc toc. Toc toc. Salut Doc. Oh, un burger de sainte viande, hein. Tu régales Doc, hein. Tu mets bien, hein. Ouais. Bon, après, vous êtes morts les mecs, quoi. C'est pas... ah, l'intérêt de rester avec vous, si vous voulez, est assez vite limité, quoi. Château de cartes, hein. Je l'ai détruit. Alors... non mais je suis assez d'accord. On aurait pu trouver hein, sûrement des choses très intéressantes hein, mais...
a plus grand monde, hein, c'est... C'est devenu calme d'un coup. C'est devenu hyper calme d'un coup. Casque spatial de reconnaissance légendaire. Ah, j'ai mis un boost d'oxygène dessus. C'est sérieux. C'est un objet sérieux. Il y a un tas de ferraille là. Ne laissez rien derrière. Bah, je ne laisse rien derrière moi. Ça s'ouvre pas ça. C'était trop beau. D'accord, certes. Mais la suite. J'ai fait toutes les boîtes. J'ai buté un robot. Il manque une porte là. J'ai envie de demander où est la suite. Que j'ai pas pigé. C'est possible, hein. C'est pas un truc qui s'attend en jetpack. Est-ce que je suis allé dans un cul-de-sac? Je pense pas. Ça avait l'air d'être la suite logique de notre progression. Pareil ici, c'est la même pièce que de l'autre côté. Y a rien, on peut même y accéder par là. Ah, pour surprendre le robot. Ah, c'est ok, la suite est là. Ok. C'était pas juste une petite tactique. Y a vraiment autre chose. Et le laboratoire abandonné. On ressort. D'accord. Et du coup, là, c'est la porte de la mine qui dysfonctionne. Ça va être ça. Ça va être très exactement ça. Bon, bon, on a clean tout le monde. Hein. On n'a même pas laissé le robot chat. Et voilà. Bon, on est ressorti. Il fait nuit. Hein. Bon, il était grave cool, ce labo. Il était grave cool. Je ne regrette rien. Les distances, ça nous donne quoi, là? En vrai, on a déjà plutôt un bon épisode. Ça sert à rien de se galérer avec des surcharges monstrueuses sur le dos, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vendre mon bazar. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Je pense, c'est bien. Il y a un truc dans cet arbre. Ou alors c'est une machine qui est au pied de l'arbre. Avec un coffre. C'est vraiment nécessaire de transporter tout ça partout. Oui, c'est toujours très nécessaire. Les boîtes, j'ai déjà fait toutes les boîtes. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. C'est déjà plié. Hop. Je n'ai pas de vie. Comment se fait-ce? Salutations, capitaine. D'ailleurs, toi, là. Vers la lune. Prends-moi mon bazar. Vous avez quelque chose pour moi? Ressources. Hop, on lui reprend tout. À bientôt. Voilà. D'abord. Moi, je vais me TP, je vais faire tout le travail. En attendant, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming.
pour Starfield, et je vous dis à la prochaine. Ciao.